que vous allez bien. Moi, c'est Sandra. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo cuisine. Donc, je vais juste faire le spaghetti. C'est juste vite fait. Donc, on va manger pour le soir. Donc, voilà. J'ai déjà mis de l'eau et le sel. Il y a déjà du sel. Et je vais prendre le spaghetti. On va faire ensemble avec vous. Et je prends aussi directement ça. Je prends directement les bois. Après, on va faire les gaufres. Et je vais finir de faire à manger les spaghettis. Après, je vais faire la pâte de des coffres et je vais faire ça ensemble avec vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sandra. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo cuisine. Donc je vais faire une petite recette. Donc voilà, et je me présente de nouveau. Ma chaîne c'est Sandra Family. Sur ma chaîne je fais la décoration, je fais le ménage, je fais le bricolage, le vlog, la vie normale des mamans. Sur les jardins, contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, je suis en train de faire les spaghettis, juste rapide. Et si j'aurai le temps, je vais continuer la vidéo. Je vais faire une autre recette, pardon. Je vais faire les gaufres. Donc, voilà. Je vous laisse juste regarder les images. J'ai mis l'huile dedans. Il y a l'huile ici là. Et le temps qu'il est en train de cuire, je suis en train de faire directement la sauce pour les spaghettis. Donc, dans les spaghettis, je vais mettre du pancetta, lardon si je ne me trompe pas. Pancetta. Donc, je vais utiliser ça. Je vais mettre les magies. Je prends aussi ça. Je vais mettre le persil un peu. Juste quand je vais tout finir. À la fin, je vais juste mettre ça en dessous de mon spaghetti. Là, c'est juste le... Comment on dit ça? C'est muscade. Souvent, je confonds les noms muscade. Donc, c'est le muscade. Je vais juste faire avec ça, avec la sauce. Là, c'est le brodo, donc je vais juste utiliser ensemble.
quand j'ai fait la sauce. Je suis en train d'ouvrir mon pancetta hein? Avec mes mains là, comme j'ai des ongles, c'est ça, j'arrive pas souvent à mettre les ongles parce que ça me fait un peu j'arrive pas à bien travailler. Donc si je me mets, j'ai pas mis les ongles, je suis tranquille, je suis à l'aise. Donc avec les ongles là, ça me fait un peu fatigue de travailler. Ça, je vais pas souvent mettre les longs ongles parce que ongles ça va beaucoup déranger. Même si tu vas travailler, tu n'auras pas la facilité de travailler, donc ça va beaucoup te déranger. De faire la petite cuisine et je vais commencer à prendre la farine et commencer aussi à faire directement la pâte de gaufres. Donc je vous laisse juste regarder comment je vais commencer et à la fin aussi vous allez voir juste comment je vais finir ma petite recette de gaufres. Donc voilà. Là, j'ai déjà mis les lardons. Donc, j'ai mis les lardons. Donc, je vais juste utiliser ça, mais pas beaucoup parce que c'est déjà salé. Si je mets beaucoup de ingrédients, ça va sortir un peu trop salé. Donc, là, je vais juste mettre ça pour juste les goûts, pas trop. Savoir calculer comment tu es en train de faire ta nourriture. Là c'est juste le gros dos. Je prends cette petite cuillère pour ne pas exagérer. Parce qu'il y a déjà de sel dedans. Donc si je mets beaucoup, ça serait comme des macayabes. Donc voilà. Voilà. Là c'est les muscades. J'ai pas beaucoup mis les muscades, juste un tout petit pour changer un peu les saveurs. Donc, oh là là, les spaghettis qu'on va manger. Donc.
C'est juste une simple recette, mais rapide aussi. Vous allez voir à la fin comment on va bien manger, on va bien savourer notre recette. Malheureusement, mon fils n'aime pas ça, mais il va quand même manger, il n'a pas le choix. Lui vraiment, il est vrai italien. Lui vraiment, il aime beaucoup manger les pastas, donc carbonara, con la panna, donc avec la crème fraîche. Donc lui, il aime manger ça. Ça là, comme ça, comme je suis en train de faire, donc... Il va manger, mais bon, c'est pas son goût. Des fois aussi, il faut changer les goûts, ouais, parce que lui peut commencer à manger la pâte aujourd'hui, le lundi, au dimanche, donc chaque jour, il peut commencer à répéter, donc ça ne lui dérange pas. Lui, il est toujours là, il mange. Donc quand tu changes, moi, pourquoi tu as changé ça? Moi, j'aime pas ça. Moi, souvent, je dis, il faut manger, c'est bon aussi, il faut essayer de manger toutes les recettes. Il ne faut pas rester juste avec, moi, je me suis habituée de manger ça. Et après, le jour que tu vas aller quelque part, on te présente ça, moi, je ne mange pas ça, donc c'est pas joli, donc vous voyez. Donc, voilà, c'est ça, je suis en train de faire un peu l'effort avec mon fils, parce que lui, vraiment, il n'aime pas beaucoup manger des nourritures, donc il choisit. Donc, le lardon c'est déjà prêt. Ici, là aussi, les spaghetti aussi c'est prêt. Donc, ça, c'est 5 à 10 minutes. Vous êtes sur la table. Donc, c'est juste vite fait de mêler. C'est déjà prêt. Hein. Les spaghetti così mangiamo insieme con voi. A posto, basta così. Donc c'est déjà prêt. Je vais directement aller jeter de l'eau. Donc, je suis déjà arrivée à la fin de ma petite recette de spaghetti. C'est juste simple et rapide. La prochaine fois, je vais juste faire aussi le riz cantonné.
J'ai oublié de mettre. Ils vont manger ça avec les petites saucisses. Donc, ils vont manger ça avec les petites saucisses. Sinon, je vais juste les chauffer avec de l'eau chaude. Vraiment, si moi quand je mange ça, je mange avec je vais mettre les mayonnaise. Moi je mets ça les mayonnaise et souvent ils mettent ketchup, souvent ils mangent ça comme ça. Ils aiment manger ça comme ça aussi, sans mayonnaise. C'est aussi bon. Sans ketchup pardon, parce que et mayonnaise ils aiment pas. Mais l'ardente était juste en bas, ça se voyait pas. Maintenant là, quand j'ai fini de servir, j'ai fini déjà de servir, je vois qu'il y a des lardons en bas, donc je vais les servir comme ça parce que il y a encore un peu ici en bas. Je me rappelle quand j'étais enceinte de ma fille, j'étais au pays. Donc, j'aimais beaucoup manger ça. J'aimais beaucoup manger ça. Et là, j'étais enceinte. C'était la période de 3 à 4 mois. Là. J'aimais beaucoup manger les spaghettis comme ça. Qu'on va manger ce soir avec un peu de saucisses, après on va ajouter les gaufres à la fin. Encore, c'est un nouveau bon appétit. Hein. C'est chaud. C'est trop bon. Mangez avec nous. Mangez avec nous. On se revoit après. Quand on va finir de manger, je vais faire des gaufres et juste je vais vous montrer comment je vais commencer le demi à la fin. Donc je vous laisse. Dans quelques instants, je vais vous rattraper, d'accord? Je vais d'abord manger et je vais prendre mon temps de digérer. Et là, je vais commencer à faire la pâte, d'accord? Directement, nous sommes passés à la table pour manger. C'était les spaghettis. Donc, on a mangé bien, même bien. On a tout fini, donc c'était très délicieux. Et comme je vous avais promis, je vais faire les gaufres, mais je n'ai pas pu continuer de faire les gaufres. Vous allez les voir dans les prochaines vidéos. C'était un peu tard pour faire les gaufres. J'étais fatiguée. Et voilà. Merci à mes abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Je vois ma communauté est en train de grandir. Vraiment, merci à tous qui sont en train de s'abonner, les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, continuez toujours à liker la vidéo, commenter et partager, ça me fera plaisir. Là, vous allez me permettre pour agrandir notre chaîne YouTube. Merci à vous, bisous, à la prochaine.